dans le village de Lyon. Et donc je souhaitais moi aussi marquer ce passage par la remise d'une médaille de cet ancien coureur, ce bon copain, l'inspirateur, l'initiateur, en quelque sorte, du projet de Vaison la Romaine après des années et des années de passion. Pascal, merci. Qui tombe, c'est pas sur du gazon, et c'est ça qui en fait qu'on a pour eux une formidable, un formidable respect. Je vous propose d'applaudir Sébastien Hinault. Alors qu'Alexandre va s'asseoir, puisqu'il recevra tout à l'heure le prix de la combativité parrainé par Cœur de Lion. Là, nous sommes avec un coureur qui a réussi l'exploit de gagner 4000 en San Remo, une place de deuxième et surtout 6 fois maillot vert, Eric Zabel. Eric a entendu le Tour de France, le Tour d'Espagne, le Tour d'Allemagne. Et là, évidemment, le ratio au grand de l'étape du Grand Tour qui rejoint le podium Proto Grand Tour. On applaudit le petit grimpeur russe Alexandre qui était dans l'échappée du moment où il a également, rappelons-le, terminé cette année 7e, mais qui veut terminer son Tour de France en difficulté de l'équipe H2R Prévoyance derrière, évidemment, vers une victoire d'étape. Et là, nous accueillons, eh bien, l'Espagne au Tour de France et derrière le VTT champion olympique. On accueille Miguel Martinez, qui a gagné de nombreuses épreuves. Sergueï Ivanov, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. C'était à Aix, il fait également deuxième. González de Galdeano, Jorge Diaschke, Noza, Ledo, avec Serrano, avec González de Galdeano. Enfin, vainqueur d'étape sur Paris-Nice, autour d'Italie, autour de France. Floyd Landis, le coureur ukrainien de l'équipe Vaison, champion du monde des contre-la-montre. Davide Casarol, Vicente Garcia Costa, qui a gagné notamment étape sur l'équipe, le podium, encouragé par le public. Et du Dauphiné, derrière lui, Marc Poters, qui avait gagné l'étape d'Anvers. Inigo Chastain, trône, vainqueur de l'étape du 14 juillet, né par Nesta Quarel, l'Italien Ivan Basso. Ivan dans la Fédération Française de Cyclisme, avec Charlie Gaulle, celui qui a été, il a gagné le championnat d'Italie. Et José Luis Rubiera, Jacob Pil, évidemment, d'éviter le jour sans, ce genre de défaillance qui vous fait naître, eh bien, à son jeune coéquipier. Merci. Merci, Laurent. Ah.